Nous irons en Égypte à la rencontre de Jamie, symbole du printemps arabe. Jamais je n'aurais imaginé voir dans ma vie ce que j'ai vu alors. Voir autant de personnes protester au même endroit, ça a été un grand choc. Nous verrons comment les nouvelles technologies ont inspiré ce réveil populaire. Ensuite, direction les chaînes de l'Himalaya dans le nord de l'Inde, région menacée par le manque d'eau. Je me souviens du temps où nous pouvions vraiment marcher sur ce glacier. Mais Chewang Norpel a une solution, créer des glaciers artificiels. Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de La Salle. De la Tunisie à l'Égypte, les citoyens ordinaires ont envahi les rues dans une vague de soulèvements populaires que l'on a appelé le printemps arabe. En première ligne, la jeunesse de ces pays qui s'est emparée du pouvoir des nouvelles technologies et des médias sociaux pour aider à changer l'histoire. Nous vous emmenons en Égypte, où vous allez rencontrer l'une de ces personnes extraordinaires. Impossible d'échapper aux couleurs de la nation égyptienne. Accrochées au balcon, floquées sur les t-shirts, peintes sur les visages des enfants. Ces jours de retrouvailles, place Tahrir, au Caire. Jamais la capitale égyptienne n'a connu autant de foule depuis le soulèvement qui a renversé le régime au pouvoir. C'était il y a plus d'un an maintenant, en janvier 2011. Jamais je n'aurais imaginé voir dans ma vie ce que j'ai vu alors. Voir autant de personnes protester au même endroit, ça a été un grand choc. La population s'était enfin réveillée. Lui, c'est Mohamed Gamal, plus connu sous le nom de Jamie Hood, son surnom sur le web. Blogueur, dessinateur ou encore musicien, il est désormais activiste politique. Mohamed fait partie de ces centaines de milliers d'Égyptiens qui se sont mobilisés jour après jour pour renverser le régime Moubarak au pouvoir depuis plusieurs décennies. Jamie est aussi l'un des symboles de cette nouvelle génération d'Égyptiens. Unis pour le changement, avec pour seule arme les nouvelles technologies et les médias sociaux. Désormais, nous pouvons utiliser Internet comme un instrument du changement, et non plus seulement pour rêver au changement. Nous étions tous unis pour combattre le système. Nous voulions tous une vraie démocratie. Ce rêve de démocratie s'appelle l'Égypte, l'une des nations les plus peuplées d'Afrique et du Moyen-Orient. Un acteur clé pour la stabilité et le futur de cette région du monde. Près de la moitié de la population vit dans de vastes zones urbaines, comme ici, au Caire. Le Caire qui abrite la seule merveille du monde antique encore debout, la Grande Pyramide de Gizeh. Mais la grandeur de ce pays a souvent contrasté avec sa réalité politique. Pendant longtemps, le pays a vécu une relative stabilité au détriment des libertés politiques et sociales. Depuis 1981 et l'assassinat du président Anwar el-Sadat, l'Égypte a été déclarée en état d'urgence permanent. Les droits constitutionnels ont été suspendus. La censure instaurée, la répression policière s'est répandue. Une réalité que Jamie a bien connue et qui a fait naître son activisme politique. En 2002, il est arrêté par la police. Son crime, dit-il, se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Il faisait alors carrière dans la chanson, au sud du Sinaï, quelque part dans le nord-est de l'Égypte. Il se souvient encore de ce temps où la police procédait à des vagues d'arrestations massives et arbitraires. Ils ont fait irruption dans ma chambre et m'ont arrêté. Emmené au Caire, puis incarcéré pendant 13 jours, il sera battu à plusieurs reprises sans jamais savoir pourquoi. Je ne savais pas pourquoi j'étais arrêté ni pourquoi j'étais battu.
Et même aujourd'hui, je ne sais pas. Ils ne prenaient même pas la peine de nous interroger. On se faisait simplement tabasser. Il faut dire que sous le régime de l'ancien président Hosni Moubarak, les propos anti-gouvernementaux étaient tout simplement interdits sur le web. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, il était impossible de tenir ouvertement des débats politiques. Mais comme beaucoup d'autres, Jamie était bien déterminé à ne pas se taire. Pour contourner la censure et exprimer ses revendications, il a fallu se montrer ingénieux. Ça a été le grand saut pour moi. Je suis devenu beaucoup plus politique. J'ai commencé avec ce qui était alors la meilleure option, l'Internet, avec ses forums de discussion et ses chats. Et c'est via un blog qu'il a commencé à exprimer son rejet du système politique, avec ses mots à lui, ses dessins et parfois ses caricatures. Mais Jamie n'était pas le seul. Après 2005, de plus en plus de dessinateurs de BD clandestins se sont servis de leur art comme arme politique. Interdits de publication, c'est d'abord en ligne que ces artistes ont exposé leurs caricatures, avant de les brandir lors des manifestations de janvier 2011. Alors les gens ont commencé à s'habituer à voir les bandes dessinées anti-système, anti-gouvernement. La BD moderne utilise le langage de la rue pour toucher le peuple. Pour Jamie, ce langage, c'est la BD. Plus accessible, elle permet de délivrer des messages simples et directs. Et pour sensibiliser la population sur l'oppression du gouvernement, quoi de plus efficace que l'humour ? Cet humour, on le retrouve aussi dans les vidéos Internet pour rallier les jeunes. Ali Kandil, que l'on voit ici aux côtés de Jamie, est comédien. C'est grâce à ses vidéos satiriques largement diffusées sur YouTube qu'il est devenu célèbre. J'ai écrit que la révolution avait rendu aux Égyptiens un véritable sens de l'humour. Cela signifie que cette nation peut créer une comédie issue d'une tragédie. Jamie n'a pas non plus hésité à mettre ses talents de chanteur au service de sa cause. Avec des textes très militants, relayés sur le net, lui et son groupe ont attiré l'attention de toute l'Égypte. Nous avons été interviewés par tellement de télévisions et de journaux. Les gens ont même commencé à chanter nos chansons. Mais l'engagement politique de Jamie ne s'arrête pas là. Le véritable déclic, c'est aux États-Unis et en Europe qu'il l'a eu. Lors de sa participation au programme d'échange interculturel pour les jeunes dirigeants, lancé par l'Alliance des civilisations de l'ONU. Des voyages où il découvre de nouvelles idées politiques et prend conscience que la liberté d'expression n'est pas un vain mot. On s'est trouvé dans des endroits que jamais je n'aurais imaginé voir un jour. Des chaînes d'information anglaises, françaises, américaines. C'était la première fois que je participais à des débats politiques avec d'importants responsables. Riche de ses expériences, Jamie a formé des journalistes arabes à l'utilisation des médias sociaux pour promouvoir la liberté de parole et la justice. De retour en Égypte, il a été engagé par un important journal de l'opposition. Nous avons rencontré Mohamed Fawzi, le rédacteur en chef adjoint de l'époque. Les blogueurs étaient alors devenus de véritables stars. Les journaux voulaient bénéficier de leur notoriété et sont allés les chercher. Des blogueurs qui, pendant ce temps, avaient les yeux rivés sur un autre pays d'Afrique du Nord, la Tunisie. Point de départ des révolutions arabes. C'était en décembre 2010. Une véritable source d'inspiration pour Jamie et tant d'autres. Les gens ont été encouragés par ce qu'ils ont vu se passer en Tunisie. Ça aurait été différent si cela s'était passé ailleurs que dans le monde arabe, en Europe par exemple. Un mois plus tard, le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens comme Jamie ont pris le relais, dans leur rue cette fois. Les rues étaient fermées, mais nous avons décidé de pousser jusqu'à la place Tahrir. Nous avancions en très grand nombre. Nous avons couru si vite que nous avons réussi à briser des barrages policiers.
Ça a été le moment le plus heureux de ma vie, parce que je sentais que nous pouvions vraiment y arriver. J'ai commencé à appeler mes amis et à leur raconter ces événements incroyables, et je me suis mis à pleurer. Pendant 17 jours, Jamie est resté en première ligne de la révolution, au milieu des affrontements avec la police, des gaz, des canons à eau et des passages à tabac. Comme d'autres, il a choisi la stratégie de la résistance non violente. Mais quand c'était nécessaire, Jamie a su se défendre, grâce aux techniques de riposte apprises lors de précédents affrontements dans les stades de football avec les services de sécurité. Pendant tout ce temps, Jamie est resté connecté avec son réseau d'amis et de fidèles sur le web, jusqu'au bout. Lorsqu'il lui était impossible de bloguer, il tweetait. Et quand le chaos l'empêchait de tweeter, il téléphonait à des connaissances pour qu'elles témoignent de la situation à sa place. C'était une bataille d'endurance entre nous et la police. Tenir et attendre. C'est à qui se rendrait le premier. C'est ça, la révolution. Lorsque le gouvernement décide de couper entièrement l'accès à Internet, il était trop tard. Et après seulement 2 semaines de manifestations, c'est la victoire pour le peuple. President Mohammad Hosni Mubarak has decided to waive the office of the President of the Republic. Un renoncement qui se traduit par une véritable liesse populaire, place Tahrir. Un soulagement pour beaucoup, mais Jamie savait que tout restait encore à construire dans cette démocratie naissante. Le vrai test maintenant, c'est de voir si les gens vont faire bon usage de cette révolution. C'est seulement à ce moment-là qu'on saura ce qu'elle nous a apporté. Quelques mois après ce soulèvement, retour place Tahrir pour un moment de communion. C'est l'heure de la prière de midi. Un moment d'unité, de recueillement, de silence. Un véritable moment de paix. Mais cela ne va pas durer. Sur cette place, il y a aussi des manifestants venus réclamer justice pour les victimes de l'ancien régime. À la tombée de la nuit, beaucoup de manifestants décident de rester sur place au mépris du couvre-feu militaire imposé depuis la Révolution. Une situation qui va rapidement dégénérer. Nous avons entendu des tirs nourris de l'autre côté de la place. Salma Saïd est une amie de Jamie. Comme lui, elle est militante et blogueuse. Immédiatement, la foule a commencé à courir parce que l'armée fonçait sur elle et tirait en l'air. C'était comme un champ de bataille. Les gens étaient si déterminés, ils n'allaient pas quitter cette place. Place Tahrir, le lendemain, les célébrations ne sont plus qu'un lointain souvenir lorsque Jamie retrouve Salma. Tout autour d'eux, les stigmates des affrontements. Des fils barbelés. Des pierres jetées la veille sur l'armée. Des carcasses de camions brûlés. Des bus encore fumant. Et cette femme pleurant son fils disparu. Un manifestant nous montre ses blessures. Certains exhibent des balles usagées. Des disputes éclatent. Et cette question, qui est à blâmer pour ces violences? Jamie, lui, refuse de se décourager. Il continue à tweeter pour raconter ce dont il a été témoin. Pour lui, ces événements ne sont qu'une étape douloureuse dans le long processus vers la démocratie. C'était prévisible. Il y a toujours plusieurs étapes dans une révolution. On doit en passer par là. Un passage obligé. Mais Jamie a déjà le regard tourné vers le jour où chaque Égyptien pourra s'exprimer, sera respecté et reconnu dans ses droits. Pour lui, les chantiers restent encore nombreux.
Mais pour la plupart des jeunes qui ont participé au soulèvement, cette révolution en marche est déjà une extraordinaire expérience. Je crois que cette révolution doit se poursuivre pendant 25 ans et non pas seulement pendant quelques jours. Nous avons une longue liste de revendications à suivre que le peuple n'oubliera pas. Quiconque a goûté à la liberté après 30 ans d'oppression ne voudra jamais revenir en arrière. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Depuis notre tournage, des élections législatives ont eu lieu en Égypte et le premier parlement élu démocratiquement en plus de 60 ans s'est réuni. Des élections présidentielles sont attendues. Pendant ce temps, le pouvoir exécutif reste aux mains de l'armée et place Tahrir, les manifestations continuent. Les changements climatiques menacent l'avenir de millions de personnes. Mais sur les hauteurs de l'Himalaya, un homme surnommé « The Iceman », l'homme des glaciers, essaye de faire ce que la nature ne peut plus donner. Il offre ainsi à sa communauté une chance de survie. Partons ensemble en voyage en Inde. Nous sommes à plusieurs milliers de mètres d'altitude sur les plus hautes montagnes du monde. C'est ici, dans les chaînes de l'Himalaya, que sont renfermés 40% de l'eau douce de la planète. Ces 55 000 glaciers sont la source des 7 plus grands fleuves d'Asie. Mais problème, l'une des ressources les plus précieuses sur Terre est en train de disparaître. La population est très inquiète d'un futur où l'eau viendra à manquer. Les agriculteurs ont peur de devoir partir. De l'Inde, où vit Chewang Norpel, au Bhoutan, en passant par le golfe du Bengale, du Népal au plateau du Tibet, c'est avec incertitude que les peuples d'Asie abordent l'avenir. Le climat change. La vie telle qu'ils l'ont connue, des montagnes aux rivages, perd de son équilibre. Selon les Nations Unies, 4 milliards de personnes pourraient bientôt être affectées par le manque d'eau dans le monde. La moitié d'entre elles vit en Asie. Les chaînes de l'Himalaya, ce sont les châteaux d'eau de l'Asie. Je m'appelle Dawa et je vis dans les montagnes de l'Himalaya. Dawa Steven Sherpa est alpiniste et grand connaisseur de l'Himalaya. Il a vu les glaciers reculer. Quand le château d'eau sera asséché et que 2 milliards de personnes n'auront plus d'eau pour boire, pour irriguer leurs terres, pour faire tourner leurs industries, alors il y aura de sérieux problèmes. L'alarme a sonné. Il est encore temps d'agir. Il n'y a sans doute aucun autre endroit au monde où le manque d'eau est aussi important que dans ces hautes montagnes désertiques. C'est ici, dans l'Hindoukouche, dans le nord de l'Inde, que Norpel, aujourd'hui âgé de 75 ans, a toujours vécu. Son village, Leh, est situé à 3500 mètres d'altitude, une zone balayée par le vent et habituée au risque imprévisible de la fonte des neiges de l'Himalaya. Norpel se souvient de l'époque où il était plus facile de prévoir le temps et où les glaciers étaient bien visibles. Un exemple de la fonte rapide des glaciers, c'est le glacier Kardungla. Je me souviens du temps où nous pouvions vraiment marcher sur ce glacier. Le village de Leh ne reçoit que 8 cm d'eau par an, alors que les agriculteurs dépendent entièrement de la fonte des glaciers pour irriguer leurs cultures au printemps. Maintenant que les glaciers de basse altitude ont disparu, il faut attendre le début de l'été pour que l'eau s'écoule des sommets. Mais trop tard pour les agriculteurs. Ingénieur de formation, Norpel a été un témoin privilégié des souffrances de sa communauté, confrontée à la fois aux inondations et aux sécheresses.
Déterminé à aider les agriculteurs de lait, il a eu cette idée audacieuse et innovante, s'inspirer de la nature pour construire des glaciers artificiels. Norpel a alors bâti de larges bassins de la taille d'un terrain de football. À la fin de l'automne, il fait dévier l'eau qui provient de la fonte des glaciers de haute altitude vers ces bassins. Comme celui-ci, situé sur le flanc de la montagne, le moins exposé au soleil. À l'arrivée du froid, ces bassins se transforment en immenses glaçons. L'ingéniosité de Norpel a ainsi permis de remplacer ce que la nature ne peut désormais plus prodiguer. L'eau entre dans le glacier artificiel par un canal de dérivation. L'eau arrive par très petites quantités, si bien qu'elle gèle instantanément. Les murs de soutènement qui retiennent la glace ne sont composés que de maçonnerie sèche. Lorsque la glace fond, l'eau s'échappe doucement, donc la structure n'est pas endommagée. Au printemps, avec la hausse des températures, les glaciers artificiels de Norpel commencent à fondre, libérant l'eau précieuse vers les champs en contrebas. Chaque glacier irrigue 200 hectares de culture et nourrit environ 300 familles d'agriculteurs. En pleine saison des récoltes, ces agriculteurs reçoivent la visite de Norpel, grâce à qui, désormais, ils peuvent profiter d'une récolte d'orge exceptionnelle. J'étais très heureux aujourd'hui lorsque j'ai vu les agriculteurs récolter ce que j'ai aidé à faire pousser. Cela me donne une grande satisfaction de voir que mes efforts intenses portent leurs fruits. Ponsong Tsering est l'un de ces agriculteurs dont les champs sont irrigués par les glaciers artificiels créés par Norpel. Si nous continuons à obtenir un approvisionnement constant en eau, alors nous pouvons à coup sûr produire une meilleure culture d'orge. C'est déjà le cas dans le champ de son voisin, Sonam Deshen. Pour cette famille, c'est la meilleure récolte de pommes de terre depuis bien longtemps. Sans cette eau des glaciers artificiels, dit-il, c'est leur avenir qui était menacé. Nous sommes des fermiers et les glaciers que nous construisons sont bons pour nous et notre famille. Avant cela, c'était très difficile pour nous de survivre et de penser au futur de nos enfants. Il n'y a pas beaucoup de travail par ici. Grâce à ses glaciers, Norpel est devenu tellement célèbre dans son pays natal qu'on le surnomme l'homme des glaciers. Chacun de ces glaciers artificiels ne coûte que l'équivalent de 5000 euros et plus d'une douzaine ont déjà été construits. Un coût relativement bas grâce à l'utilisation exclusive de matériaux locaux. Rigzin Chosdol est une habitante du village qui a aidé à la construction de ces glaciers. Je suis heureuse de contribuer à bâtir ce glacier parce que l'eau est très précieuse pour des agriculteurs comme nous. Maintenant, nous avons de l'eau tout le long de l'année et nous pouvons faire pousser plus de cultures. Je veux que les villageois soient capables de produire la glace eux-mêmes pour qu'ils soient plus indépendants. S'ils ont besoin de réparation ou qu'un nouveau glacier soit construit, ils peuvent le faire sans moi. Lorsqu'aujourd'hui Norpel embrasse du regard la vallée où il a vécu près de trois quarts de siècle, il est profondément fier d'avoir changé la vie de ses frères. Je crois que si nous commençons à construire les glaciers artificiels en grand nombre, nous pourrons vraiment réduire l'inquiétude des gens quant à l'avenir. Grâce à l'ingéniosité et au dévouement de l'homme des glaces, ce peuple d'Inde du Nord peut maintenant envisager un avenir où l'eau continuera de couler des montagnes, où des familles entières d'agriculteurs connaîtront d'abondantes récoltes. C'est tout pour cette édition. Partagez les histoires du monde, c'est sur TV5 Monde. Je suis Charlotte Legris de La Salle et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans notre prochaine émission. Au revoir.